do you defeat somebody like this who is so strong, so fast, so consistent? 400 metres to go in this 1500 metre final. De Barber's making another long, hard run for home. Hassan is within striking distance though. Sayom is there. And Kipyegon, the Commonwealth champion, is close enough. She has not got this one yet. Aragawi's gone. Robrie with Laura Muir on her shoulder, long way behind this. It's a hard run here. She's testing them as a world record holder should test them. But look at Hassan. She's coming. Has she timed this right? Kipyegon trying to get up there. Hassan needs to go past the Kenyan. She does that. She's still got another 3-4 meters to catch De Barber. De Barber gritting her teeth now. Here comes Hassan. Ethiopians are consistent, aren't they, Chris? It's very, very rarely you get a bad performance from an Ethiopian in the middle or long distances. They had a disaster in the Olympic marathon in the men's race. None of them finished, but at middle distances, they rule supreme. Well, we've already had one gold medal in the 3000 from Kajelcha from Ethiopia. Can De Barber or Defar make it an Ethiopian double? 15 laps of the track then. Let's just keep an eye on the pace. It's Saina from Kenya. As you asked at the top of the program, what on earth do you do? What can you do to damage somebody with such extraordinary talent and who never has an off day, almost never? Kudzetic then from Belarus in second place with Steph Twell just taking on duties there. And there we can see Genzebe De Barber just in the blink of an eye going from last to second place and just tucking in behind Steph Twell. And Defar responding, just coming up onto the shoulder of Saina in fourth place. And De Barber hits the front. I think she's had enough. She's decided this is way too slow. 3:51 for the first kilometre. I mean, that for the first 1,200, excuse me. That is just so, so slow. And now the race is on. And, of course, I think De Barber is thinking, this is just daft. We're jogging here for lap after lap. I might as well get out there and just run the legs off them, which I know I can do. Well, Steph Twell bravely is trying to respond and go with her, but she'll just keep winding it up De Barber. This is certainly nowhere near full throttle. She'll just keep winding it up and doing more and more damage. And in the space of, what, one lap, 200 metres, you can see the field has stretched out. Controlling things, just holding that gap at about 15, 17 metres, goes through there. That time at 2 kilometres, 6:02. Well, I know she'll blast this next three or four laps and will obviously go a long way under 9 minutes, but I fear for the others. Look at the way she's striding out there now, Chris, another acceleration. There's an element of fartlek to this. She seems to be surging and easing and surging and easing. Yeah, rope-a-dope stuff, isn't it, as they say in the business. But De Barber again, another surge. And Meseret Defar, she's looking up all the time to see how much damage she's doing, and the answer is quite a lot. Defar in second place, and Steph Twell is starting to find this a little bit punishing and is slipping back. Shannon Robrie now in fourth place with Defar opening up a little bit of a gap. Good run from Costa there in the orange, back in, what, fifth place. Defar is indeed chasing hard, although surely she can't close that gap. I mean, it's, what, 25 metres now? Betsy Saina back in third place. But I just can't see De Barber being caught here now. She's got so much in reserve, surging through towards two laps to go. This would be the bell outdoors. And look at that gap. And to do this to Defar, who's been in supreme shape, Chris, in recent weeks, underlines the calibre of this run. It's hard to really gauge it because she's running on her own. She's in isolation, but she's just churning it out at something much quicker than the rest can manage. Well, it's like a training run, isn't it? And Defar is on the chase. Robrie now into third place, but it's Ethiopia 1, Ethiopia 2. And De Barber, there's no doubt about who is going to win this, and she's going to make it an Ethiopian double coming through to take the bell. And will she put on a show for the last lap? Yes, she will, I think. 200 to go. Forget the time. It's far too pedestrian. That's gone. She's run so much more quickly already this year. But it's the Genzebe De Barber show, and what a treat for this Portland crowd. Shannon Robrie still thinks she can reel in Meseret Defar. And now athletes being lapped, but De Barber never in doubt. De Barber into the home straight for the last time. Has a, what, 30, 40 metre advantage over her compatriot, Meseret Defar. It's gold again for Genzebe De Barber. She successfully retains her title. Meseret Defar in second place. And a bronze medal, a worthy bronze for Shannon Robrie, who gave it her all. But just as we predicted before the race started,
It's the Ethiopia show. Genzeba Dibaba adds yet another global title. She reigns supreme. And Meseret Defar has to settle for silver and a worthy bronze for Shannon Robry. Well, what can you do about an athlete this superior? Dibaba, on la voit là, à côté des deux lièvres, entre les deux lièvres, elle est bien encadrée. Il y a une raison à ça, parce que les deux meneuses d'allure auront, entre guillemets, des fonctions différentes. C'est-à-dire Chanel Price, qui ce soir fait ce job pour la première fois de sa carrière, mais c'était compliqué parce qu'il fallait trouver, pour emmener Genzeba Dibaba sur les bases. Alors c'est incroyable, on a demandé à Chanel Price d'emmener Genzeba Dibaba en 2-0-3 aux 800 mètres. Donc là, on est vraiment clairement sur les bases du record du monde. Oh, bah, Chanel Price, c'est une spécialiste du 800 mètres. Du 800 mètres, oui. Bah, donc, Chanel Price sera la meneuse d'allure exclusive de Genzeba Dibaba, avec pour mission de l'emmener le plus loin possible, si possible jusqu'au 1000 mètres. Mais il faudrait passer au 1000 mètres en 2-35. Donc, c'est extraordinaire. Voilà, vous voyez, les deux jeunes femmes sont déjà parties. Alors, qui est-ce qui va peut-être réussir à suivre? Sifan Hassan, visiblement. Alors, il y a une deuxième meneuse d'allure qui est Tamara Tverdestup, mais qui est actuellement en quatrième position. Ouais, on la reconnaît facilement. Et elle, normalement, doit emmener dans son sillage les autres concurrentes qui veulent faire un chrono ce soir, à savoir Jenny Simpson et Sifan Hassan. Alors, Jenny Simpson, elle est juste derrière Tamara Tverdestup, mais c'est Sifan Hassan qui s'est placé entre les deux. Et puis le job est difficile pour Chanel Price parce que vous l'avez sans doute souvent remarqué, lorsque une course de 800 mètres réussit un chrono par exemple de 2 minutes, en général le premier tour est beaucoup plus rapide. En général c'est 58,5 pour un chrono de 2 minutes. Donc là, elle va devoir courir un tout petit peu contre nature, c'est-à-dire de manière extrêmement régulière, si possible passer au premier 400 mètres aux alentours de 61-62. Ouais, là on est passé en 1 minute et 30 centièmes, donc c'est un petit peu rapide pour ce premier tour et ça risque d'asphyxier Genzeba Dibaba. En tout cas, elle a l'air bien concentrée là derrière Chanel Price, Dibaba. Tverdestup est toujours en quatrième position. Alors, elle aura bien de la peine à prendre le relais. Elle va servir à rien du tout dans cette course, mais il fallait s'y attendre du moment que Sifan Hassan décide, elle, de suivre. Alors bon, Tamara Tverdestup, elle est devant Jenny Simpson, hein, toujours. Elle est un peu calée entre les deux. On va voir si ça peut servir à quelque chose. Elle a 36 ans, Tamara Tverdestup, et on avait déjà remarqué que qu'on eut l'une ou l'autre l'occasion, elle commençait à quand même avoir un peu de la peine à tenir le tempo. Ouais. Et pour une meneuse d'allure, c'est un petit peu embêtant. Alors on va voir le chrono aux 800 mètres, là, mais c'est extrêmement rapide. Trop ? Ouais, il faut aller chercher un record du monde, c'est le but. Donc, ma foi, là on devrait être en 2-0-3. À mon avis, on est même plus rapide, regardez ça, ouais. Alors le chrono... 2-0-4. Alors je ne sais pas si le chrono s'est arrêté au bon moment. 2-0-4-52. Voilà, bon, Chanel Price s'en va. On va considérer que c'est juste. Moi, j'ai l'impression que le chrono s'est arrêté un petit peu tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pas mal ralenti dans le deuxième tour. Et ça, c'était pas le but. Genzeba Dibaba, on la voit. Hein. Je pense qu'elle jette des coups d'œil au chrono. Elle a constamment les yeux là. Mais elle est partie là. Et Sifan Hassan essaie de s'accrocher. Elle est là, hein, ouais. Donc elle essaie d'en profiter. C'est peut-être une bonne chose. Hein. Si Baba souffle de Sifan Hassan dans son dos, ça va la pousser à aller encore plus vite. Alors on rappelle, hein, Genzeba Dibaba, 3-54-11, meilleure performance mondiale de l'année pour l'instant, en courant, on va pas dire toute seule, mais presque seule à Barcelone.
où elle est basée là. Elle s'entraîne régulièrement à Barcelone et les deux filles le là, dernier tour qui tiennent le rythme. Elle est encore en train d'accélérer, dit Baba. Alors si elle court en moins d'une minute position. En moins d'une minute, il va falloir faire le dernier tour. C'est possible. C'est possible d'aller chercher ce record du monde. Et regardez ça, elle est tout le temps. Elle est en train de jeter des coups d'œil incessants au chrono. 3 minutes 50 46. Yung Siaku, la chinoise. En 1993, à l'époque, c'était une autre époque. La grande époque des chinoises. Hein, on va l'appeler comme c'était, ça. C'était une toute autre époque, notamment au niveau des contrôles antidopage. On mangeait la soupe de tortue, c'est ça, non? Exactement, c'était la soupe de tortue. Et Dibaba qui se bat contre le chronomètre. Elle est en tête, Gedvebe Dibaba. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et tout le monde s'est levé. Elle est dans la dernière ligne droite. Encore. Oui, Gedvebe Dibaba. On regarde le chronomètre. Ah, ce serait incroyable. 3,50, 46. 3,41. C'est faisable, c'est faisable. 3,45, 46, 47. Oh là 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 là, on va y arriver, on va y arriver. Oui. 3,50, 08. Record du monde. Extraordinaire, Gedvebe Dibaba. Record du monde. Dibaba, elle bat un record d'un autre temps, 3,50,08. Quel événement! Quelle émotion! Et Gedvebe Dibaba n'est pas une spécialiste du 1500 mètres. Et elle est surtout une spécialiste de l'indoor, jusqu'à maintenant. Hein. C'est historique parce que on pensait que ce record du monde était intouchable. Serait totalement intouchable. C'est corrigé à 3,50,07. Et regardez Chanel Price avec Gedvebe Dibaba. Oui, elle y a droit. Hein. Elle n'a pas fait un job. Elle n'a pas fait un job parfait, hein, parce que le premier tour était un peu rapide, le deuxième tour un tout petit peu lent, mais finalement, au final, eh bien, on y est. Et Sifan Hassan dans la foulée qui elle aussi explose tous ses chronos personnels en 3,56,05. Des applaudissements mesurés du prince Albert. Est-ce qu'il a déjà vécu un record du monde ici au stade Louis II? Ouais, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est le premier record de l'histoire du meeting? Il y a déjà eu de magnifiques chronos. Je cherche dans ma mémoire, mais ouais, il se pourrait bien que ce soit le premier record du monde. Vous y étiez avant moi. Est-ce que Roudisha n'avait pas réussi une fois? Peut-être que le premier record du monde. Alors là, comme ça de tête, je ne peux pas vous dire si c'est le premier record du monde. Bon, je suis désolé de vous avoir posé une colle, Pascal. Non, bah, écoutez, ça peut arriver. On revoit ces 80 derniers mètres de Gedvebe Dibaba. C'est complètement fou ce qu'elle est capable de faire sur une dernière ligne droite. Alors qu'est-ce qu'elle va faire au championnat du monde, Gedvebe Dibaba? Ah bah, elle va devoir choisir. Normalement, elle voulait faire 5000 uniquement, si aux dernières nouvelles.